Et yo les gars, je suis contente de vous retrouver de bonne heure et de bonne humeur pour cette journée de concours. Ça va être une journée de concours mais tranquille, chill. C'est un concours de CSO à Fontainebleau. On est vendredi et là actuellement il est 6h30 du mat. Ça va être tranquille dans le sens où vous savez, moi je suis cavalière de complet avec Soleil, on sort en concours complet. Et ça fait 6 ans qu'on n'a pas été faire juste un CSO. Donc là on fait du CSO pendant nos concours complets. Mais là ça va être vraiment la première fois qu'on va aller faire un CSO sans faire du dressage avant depuis ces 6 dernières années. Donc on verra bien comment ça va se passer, même si je ne nourris pas beaucoup d'espoir sur un sans faute, puisque nous sommes les professionnels du bowling avec barre. Voilà, on aime beaucoup ce sport. On va récupérer la grosse baleine, qui mon dieu n'a pas du tout une dégaine de poney de concours. Regardez-moi ce gros sac. Et puis voilà, on est parti. On se retrouve à Fontainebleau parce que je suis pas très en avance, donc pas beaucoup le time de vous parler. À toutes. Un truc, je suis giga en retard et il y a Héloïse qui m'a fait la surprise de venir. Ça veut dire qu'elle va pouvoir m'aider à préparer Soleil. Hello, hello, Héloïse, vite. Non mais pour le coup, au moins il était vachement dans le galop. Ça c'est bien. Mais il était bien, je suis contente. Mais oui, il est bien. C'est pour un gros lard. Le double très bien. Il répond bien sur la cravache. Bon après, du coup, tu prends le vertical parce que t'es pas assez gros, t'as pas touché les barres avec le ventre. Alors hop, pour le prochain concours, c'est l'objectif. Non, c'est ça, la jambe.
voilà, nous voilà rentrés à la maison. Et en plus à la maison pour de vrai, puisque là je vais remettre les poneys un peu dans leur paddock à la maison, puisque comme vous pouvez le voir, l'herbe elle a bien repoussé. Là c'est un peu la forêt amazonienne, qu'on se le dise. Donc je vais remettre les poneys ici. Je vais profiter du coup d'avoir le vent qui est déjà attelé pour aller récupérer Sangoku qui lui nous attend dans le pré. Du coup, pour faire un petit débrief du concours, c'était un petit tour de CSO. Comme je l'avais dit sur Instagram, on était parti pour faire des strikes. C'est ce qui s'est passé. Honnêtement, pour nous là, c'est les vacances. On est tranquille pépère. Depuis le vol de la selle de dressage, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à dresser dans une selle d'obstacle et qui plus est une selle de cross là actuellement. Donc du coup, c'est vraiment vraiment pas. Enfin, j'avais pas envie de monter, enfin, j'avais la flemme, voilà. Et c'est vrai que je suis pas très assidue là-dessus. Et donc du coup là on a été un peu en concours à la Wall Again. Et puis voilà, donc c'était juste pour le kiff de dire de retourner fouler un peu un terrain de concours avant la reprise de la saison en complet au mois de septembre ou octobre, on verra bien. Mais c'était chouette, franchement il était bien dans le galop, à la détente il a eu un peu de mal. Il est gros là, soleil actuellement, franchement qu'on se le dise. Il mange bien à la cantine et donc du coup il est bien enrobé. Déjà que c'est un poney qui de base a du mal à s'autoporter, alors là avec son poids en plus c'est encore plus compliqué. Et je suis super contente parce que sur le tour il y a été un peu de lui-même. J'ai dû limite le tenir un peu parce qu'il a fait sa petite marche de crabe avant de partir et tout. Enfin bref, il était content, donc voilà, il s'applique vraiment bien sur les premiers sauts, je m'applique bien aussi. Et à la fin il perd son élan, moi je commence à fatiguer un peu parce que lui il a plus de cardio, mais moi non plus, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, au final on était tous les deux à mouliner dans la farine et puis ça a fait les trois barres et puis voilà. Mais bon, moi je m'en fous, enfin vous savez très bien que j'ai pas des grands objectifs en concours, moi je le fais pour le kiff. Là c'était vraiment chouette, je m'en fous, enfin j'ai aucune déception en fait face à ces barres. Il y avait aucun enjeu, on était sur une prépa, c'était juste cool de pouvoir aller enchaîner un peu, que lui il revoit un peu des obstacles, qu'il enchaîne un petit parcours. Voilà, c'était chouettos. J'ai revu ma rêve aussi, je suis trop contente. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu, même si là du coup fin juillet on va se voir un peu plus. Depuis juin on s'était pas vraiment vu puisqu'on était chacune à nos occupations de notre côté. Mais ça m'a fait bien plaisir de la revoir. Et puis voilà, donc sur ce on va aller chercher Sangoku. Soleil il a pas encore capté qu'il lui manquait son pote, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que normalement il est tendance à péter un câble dès qu'il est quelque part sans Sango. Mais voilà, donc on va aller chercher le nain de jardin, on va le mettre dans le vent, on va le ramener à la maison. Et puis ils vont passer quelques jours ici, ça va être chouette de les revoir un peu dans le jardin. Voilà, allez, on y va à la recherche du nain de jardin. Le petit cœur, il faisait sa petite sieste tout seul, dans son grand pré, rien que pour lui. On va rentrer à la maison, retrouver ton frère. Non, t'as pas l'air d'avoir très envie de retrouver Brutus, hein. Allez Minou, vas-y, cause toujours. On y va. Sango, j'ai pas envie de courir dans tout le pré, s'il te plaît, je suis fatiguée. Allô la terre à Sangoku. Non, moi je m'en vais. Mon petit chat, ne me fais pas... Oh, wow, wow, wow. Allez, salut les nazes. Minou, Sango, faut que t'ailles retrouver ton frérot là. Punaise, oh, le petit con quoi. Sangoku, y a pas de sortie. T'as qu'à courir pour me rattraper. J'ai pas envie de courir après. Ça te fera perdre tous les non. McDo que tu as mangé. Ça y est, j'ai rattrapé mon Shetland sauvage. Mon petit ongre des plaines. Ouais, ouais, la mif. Mon minou. Si ça, c'est pas le plus beau des poneys, franchement. Je sais pas ce que c'est, moi. Tu connais le vent. Ouais. MDR, je suis nulle. Mais te casse pas la gueule. T'avances ? Ok, bien mon petit loup. Tu comptes faire la route comme ça ? On va aller s'attacher devant, hein ? Un guignol. On fait pas la route dans ce sens-là. Hop. Demi-tour. Demi-tour. Voilà. Et voilà, tout bien mis à sa place. Ça lui fait clairement un vent de luxe au mec, quoi. Tranquille. 2 minutes et 30 secondes de route plus tard, nous voilà arrivés à la maison. Oh, Minou. Bon. La marche à l'avant, c'est plus ça. Oui, bah il est là. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours aussi content de me revoir à chaque fois, quoi. Il en a marre de toi, ça peut se comprendre. T'es chiant, gros lourdeau. Bon bah voilà, les deux garçons sont réunis dans leur jardin qu'ils n'avaient pas vu depuis
mai. Ça fait depuis mai qu'ils sont au pré. Donc voilà, ça fait plaisir de les revoir là. Moi, je vais aller nettoyer le petit vent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !